écoute-moi bien maintenant et pas la peine de m'interrompre. C'est pas mal ça. Pas la peine de m'interrompre. Ouais, ça, c'est... Tu veux que je te dise tes quatre vérités? Eh ben... Vous voulez rentrer là? Vous allez voir quelqu'un? Non. Enfin. Eh ben Thomas, comment tu vas? Bonjour Monsieur Dubois. Dis donc, ça fait longtemps, hein? Ça fait plaisir de te voir. Ben tu veux rentrer? Voilà. Ben, et à bientôt, hein? Oui. Merci Monsieur Dubois. Oui, c'est bon, j'arrive. Allô? C'est moi. Thomas? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est... Stop! Tu vas arrêter de parler et tu vas m'écouter maintenant. Je ne suis pas venu pour m'excuser, encore une fois, ou pour te supplier de m'ouvrir et de recommencer notre histoire. Pas cette fois. Je sais que c'est fini, mais c'est un soulagement pour moi, en fait. Écoute-moi maintenant, et pas la peine de m'interrompre. Pendant trop longtemps, j'ai fait tout ce que tu souhaitais, mais aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai été trop bête. Trop aveuglé par mon amour pour toi. Thomas, attends. Tu n'es pas celle que je croyais. Tu es méchante, égoïste, égocentrique. Tout doit tourner autour de toi. Thomas. Tu es tellement omnubilé par ta propre personne que... Ah, je veux pas déranger. Thomas, t'es là? Ah non, je suis rentré. Allô? Tu préfères pas monter et lui parler? Non. Non, merci Monsieur Dubois. J'ai pas envie de la voir, vous savez. Bon. Ok, bah je vais. Au revoir, Thomas. Au revoir, Monsieur Dubois. Je suis toujours là. Ah. Alors, je voulais te dire que... Arrête de lire tes notes, Thomas. Je suis juste venu pour te dire ça. Fallait que quelqu'un me dise tes quatre vérités. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal pendant tout ce temps avec toi? Oui,
ça m'étonne pas. Ben, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir comment tu traites ta meilleure amie. Tu la traites encore plus mal que moi. Elle a tout le temps été là pour toi. Elle masque toutes tes faiblesses. Elle arrange tout pour toi. Quand je voulais te parler, c'est avec elle que j'ai discuté. Et tu sais quoi? Eh ben elle. Elle, elle a toujours été là pour moi. Elle m'a écouté. Elle m'a compris. Et c'est d'elle que j'aurais dû tomber amoureux. Pas de toi. Je vais m'en aller maintenant. Je m'attends pas à ce que tu changes. Ce serait trop beau pour les autres. Mais arrête de la traiter comme de la merde. Elle vaut bien plus que toi, tu sais. Qui ce relou? C'est pas une heure pour sonner l'interphone. C'était Thomas. Il va pas encore revenir à la charge, lui. On peut pas comprendre que c'est fini, mais vraiment, quoi. Bon, il a dit quoi cette fois? Il a dit effectivement que c'était bien fini, mais c'était des cas de vérité qui voulaient te déballer. Mes quatre vérités, ouais. Bah tiens, attends, il est même pas capable de monter et me les dire en face. Mais alors, pourquoi c'était si long? Qu'est-ce qu'il a dit de si intéressant, mon sujet? Il m'a confondu avec toi. Oh, arrête. De toute façon, j'ai même pas envie de savoir. M'a gonflé pendant un an à faire le chien-chien. Lamentable comme type. Même pas un vrai mec. J'aurais dû le larguer depuis un bail. Heureusement qu'il me payait tout ce que je voulais. Bah quoi, j'ai pas raison. Je l'aime bien, moi, Thomas. Il me ressemble. Bah ouais, tiens. Vous serez bien tous les deux ensemble, hein. Mais n'importe quoi, hein. Bon, j'ai vraiment besoin d'une clope. Et d'un verre. Donc, t'es gentil, tu veux bien aller me chercher ça à la cuisine parce que là, j'ai vraiment, vraiment mal à la tête. Non. Pardon? J'ai dit non. Tu veux que je te dise tes quatre vérités, Natacha? Ça fait 10 ans que je suis ta bonne copine. Qui ne dit rien. Qui accomplit toutes tes volontés. Qui t'aide pour tes examens, pour te trouver un job. Qui te raccompagne chez toi bourré comme hier soir. Qui reste près de toi alors que tu vomis toute la nuit. J'ai longtemps cru que je pouvais avoir que toi comme amie. Mais aujourd'hui, on m'a ouvert les yeux. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes, là? Je me casse. Débrouille-toi toute seule maintenant. Non, mais tu rigoles. Mais attends, mais... Et Alexia? Et ce verre, et tu me l'apportes? Allô? Alexia? Ouais, ça va, ouais.
Je suis juste un peu surpris que tu m'appelles. C'est pas Natacha? On a eu trop l'avenir tous les deux. Ouais, non, mais ouais, ça serait génial, ouais. Bah écoute, je vais passer de prendre ce soir. Ouais. Ouais, là, c'est ce soir, ce serait bien. C'est génial.